Yo tout le monde, c'est Waka, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve du nouveau pour continuer sa petite carrière sur l'extension Hot Wheels de Forza À Horizon 400 3 qu'ils nous mètres, ont mis. Comme prenez le tu peux virage voir, serré à droite. j'ai le Ford Deluxe que j'ai eu dans les trésors de Grange et que j'ai utilisé dans mon précédent Let's Play. Et si tu l'as vu, tu sais que c'est la galère. Prenez le Donc comme je virage t'ai dit, serré à je l'utiliserai droite. que pour les balades avec le À style. Mais 400 sinon, mètres, pour faire prenez le de la virage course, serré à celle-là, gauche. c'est clairement proscrit. C'est fini. Je la veux plus. Laisse tomber. Elle m'a fait suer, elle Prenez m'a le fait virage galérer. serré à gauche. Elle est vraiment pénible. Avec les aides, ça survire et ça s'ouvire. Laisse tomber, c'est infernal. À Enfin 400 bref, donc mètres, on va se vous rendre arrivez là à sur la destination. prochaine course. Je vais prendre la Ford Mustang. Je crois que ça va être ma préférée. Attends, je dis que ça va être. Pour l'instant, c'est ma préférée, mais j'ai pas encore essayé l'autre. Celle avec Vous avez les deux atteint V8 votre là à l'intérieur. destination. Et tu sais quoi, on va l'essayer pour celle-ci. On va la prendre. Et après, vraiment, si c'est une bonne surprise et qu'elle fonctionne bien et qu'elle se manie bien, je pense que je vais switcher entre elle et la Mustang. Mais pour le moment, je suis positionné sur la Mustang. Et si celle-là va bien, je ferai le switch comme je t'avais dit. Sinon, voilà, on essaye, je te montre. On regarde ce que ça donne. Et si ça va pas, bah celle-là aussi, hein, ça sera juste pour le style. Parce que des véhicules comme ça, laisse tomber, c'est pas la peine. C'est une vraie galère au volant. Oh là là, si tu mets la vue intérieure, tu vois que dalle. Tu vois que dalle pour que les bots ils galèrent aussi, tout simplement. Parce que là, en fait, y a que moi qui galère. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, j'ai pas pris de virage pour te dire. Ok, c'est vas-y, pousse-toi, ne me bloque pas. C'est pas des tours, c'est une progression, un passage. En tout cas, ça trace. En tout cas, j'ai l'impression que j'ai l'avantage sur eux niveau vitesse. Ça tourne. Nope. En fait, celle-là, c'est celle qui grippe. Là, c'est bon, les virages, celle-là, elle va bien. C'est celle qui grippe. Ok. Donc elle est même mieux que la Ford Mustang. Après la Ford Mustang, je l'ai essayé sans les aides. Celle-ci, j'ai pas enlevé les aides parce que j'ai laissé telle quelle, tu sais, par rapport à la Deluxe, à la Ford, j'ai laissé comme ça. Mais là, pour l'instant, ça réagit bien. Freinage. Ils nous mettent le boost sur le freinage. Ils sont fous. Ça sert à rien. Ah ouais, celle-là, elle est bien. Franchement, celle-là, je pense que ça va être un bon choix pour les prochaines. Ok, là, ça tourne. Petit frein à main. On est là à moitié. Et ça se bagarre toujours autant. Ah, ils sont monstrueux les moteurs, comment ils déboîtent. Allez, allez, ma belle. Allez, là ça monte et il y a un petit looping là, je vois. Allez, allez. Eh, mais il trace lui. Allez, allez. Ah, on est plus rapide en pointe. Ouais, elle est bien à manier celle-là, franchement, à conduire. C'est une tuerie. Là, tu prends plaisir. Là, je te le dis clairement, là, c'est bon. Ouais. Dommage, j'ai perdu mon inertie. C'est un beau petit virage. Ah, quand même des points faibles. Allez, 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 il me colle, là. Pas trop prendre l'intérieur, pas tomber. On arrive à la fin. Non, la fin, elle est là. Yes. Dommage, c'était pas parfait, mais ça va. Ça va, dans l'ensemble, ça va. J'ai pas regardé l'objectif, le troisième objectif qui avait à remplir. Je sais même pas ce qu'il faut. On va voir si on l'a déverrouillé. Aïe, elle a pris dans les dents. Aïe. Ok, un petit tirage. Pas changé, hein.
45 000 fois 2. 15 000 points de poids, je les ai eus, tu crois? Je les ai pas eus. Ah bah tiens, la petite vue. Voilà. Si tu veux rien voir, tu mets cette vue. Voilà, comme ça tu vois juste le compteur des du compresseur. Je sais pas si c'est le compresseur, le contour du compresseur, de la puissance, les barres. Mais tu vois que dalle. Franchement, cette vue elle sert à rien. Mais elle a de la gueule, elle a de la gueule. Ok, on a deux tours. Du capot pour changer. Ah, comment t'entends bien les compresseurs. Allez, allez. Ah non, t'avais pas besoin de freiner, mon ami. T'as du mal à différencier, je trouve, la traque. Quand il n'y a pas la démarcation, tu sais, plus foncée, voilà, comme sur la traque orange, t'as la démarcation plus foncée en orange, tu reflètes mieux le tracé du circuit. Sur le bleu, c'est un peu tendu. Ok, là, c'est du technique, c'est du lent. Pour l'instant, je tiens. Commence à comprendre comment elle fonctionne. Faut pas s'y prendre en retard en fait sur les phases de freinage. Sinon elle s'ouvre. Non, non, ne pousse pas. Tu vois, tu me pousses pour rien. Ah, je kiffe le bruit. Le son de cette voiture. Ah, j'ai voulu passer devant lui. Et au final, trop de vitesse. Eh mais vas-y, à peine un coup de gaz et tu... Ok, là ça tourne sec. Bon, voilà, premier tour bouclé. Non, pas encore. Ah mais d'accord, il est long à fond en fait. Hein. 40 000 points en plus de points de prouesse, il nous disait. Ça trace. Reste au milieu. Voilà, j'ai dû bien freiner. Ah, quand le compresseur il s'emballe, ça pousse. Hein. Ah, j'ai trop freiné là. Yes, là pour l'instant c'est propre. Je m'en sors bien, je m'en sors bien. Enfin, l'orange qui arrive. Ah, c'est bien, là, j'enchaîne les points prouesse. Allez, le freinage. Toujours de la merde ici. Ça fait bizarre quand même de rouler sur les tracks Hot Wheels. À chaque fois, on roule dessus sur l'extension là, mais à chaque fois, ça, dans ma tête, ça me fait bizarre. J'ai un ressenti assez bizarre. Mais bon, c'est fun, c'est cool. Ah, là, je suis chaud. Est-ce que je tiendrai jusqu'au bout? Là, est-ce que
que j'ai compris mon erreur d'avant, faut vraiment que je sois doux. Donc l'accélération, faut pas trop envoyer. Ouais, c'est bon. Parce que le virage, il referme en fait, tout simplement. Là, je me souviens, il fallait pas trop que je freine. Ouais, la track là, elle passe assez bien. Dans l'ensemble, elle passe bien aussi, elle est pas trop technique, pas trop compliquée. Après, quand t'as un bon véhicule, hein, c'est tout de suite mieux. Hein. Ah là, c'était le gros freinage. Oh là là, faut que je me méfie, faut pas que je colle trop l'intérieur. Là, là, j'ai pas assez freiné. Avant, j'avais trop freiné. Mais bon, je l'ai juste caressé. Yes! Là, je suis content de moi. Je me suis bien débrouillé. Là, franchement, il n'y a rien à dire. C'était propre. 2,35. Mais est-ce que j'ai réussi à avoir les 40 000 points de prouesse? Ça, on va être fixé de suite. Non. Ah. Dommage, c'était une belle course. C'était une belle course. Elle se manie bien, cette Thune 1000. Franchement, je kiffe bien. Et en plus, elle est classe, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse avec le gros Hot Wheels derrière. Ça fait délirer. Donc voilà pour ce petit épisode sympa. Voilà, on continue tranquillement la carrière, on déverrouille tout ça. Donc frérot, si t'as kiffé, n'hésite pas à laisser un petit comme, un like, un commentaire et à partager. Et moi sur ce, je te laisse et je te dis bye.